Macadion II et compagnie, qui a administré la seigneurie Terrebonne pendant une douzaine d'années. Mais c'est un prétexte pour parler un peu plus de la classe marchande qui avait Terrebonne et montrer à quel point Terrebonne avait une importance énorme dans la production de produits de blé et de bois à cette époque, jusqu'à ce qu'elle en arrive à son déclin dans les années 1820. Alors, je vais d'abord faire une présentation générale, ensuite vous donner les principaux antécédents qui vont nous permettre d'éclairer la situation. Troisièmement, dans un petit contexte immédiat, vous me permettrez de parler un peu des marchands qui étaient là et qui vont s'étendre un à un vers la fin des années 1790 et permettre d'ouvrir son vœu la route à d'autres marchands, dont les Mackenzie et les Holden. En 1802, arrive l'armée d'Irish Frobisher. On parle toujours de la compagnie du Nord-Ouest, mais en fait, c'est une des compagnies qui composait la Nord-Ouest Company, qui va acheter la cigarette d'Alton, composée d'une huitaine, dizaine d'actionnaires, et les plus importants étaient ceux dont on va parler tout à l'heure. Alors, la Mackenzie Holden, qui va s'occuper de la seigneurie, on va en parler pour la période. Pardon. Je vais me trouver, ça va aller mieux. Donc, pour la période de 1804 à 1832, la compagnie comme telle va être en fonction jusqu'en 1816, et par la suite, ce sont trois individus particulièrement qui vont s'occuper de la seigneurie. Jusqu'à sa vente au Seigneur Masson en 1832, ce sont Henry Mackenzie, Roderick Mackenzie et Jacob Holden. Alors, ces trois personnes-là vont donc terminer la période et ne seront plus, sauf Roderick Mackenzie, sur place lorsque Joseph Masson va commencer sa gestion. Alors, ce que je vous présente ce soir, c'est basé sur les recherches de l'Octobre. Je n'ai pas rédigé ma thèse, mais j'ai quand même fait 5 ans de recherche approfondie sur les marchands de carbone, en particulier sur les réseaux qu'ils ont organisés. Alors, j'ai accumulé une bonne trentaine de dossiers sur différents marchands, et cette conférence me donne la possibilité de faire une synthèse pour la période ultime, c'est-à-dire 1790-1832. Évidemment, c'est un travail en développement. Ce que je vous présente, c'est non pas un travail fini, mais un travail en cours de réalisation. Et j'espère que vous serez intelligent. Et si jamais vous trouvez que j'approfondis trop ou que j'ai tendance à vous endormir parce que j'ai pas la verve de mon ami André Fontaine, alors si jamais vous sentez que ça s'étire, ça s'approfondit et que j'ai tendance à vous endormir, n'hésitez pas à poser des questions ou sonner la cloche. Alors, juste pour vous rappeler que durant la guerre d'indépendance, ce que j'avais donné en conférence l'année dernière, le bourg de Terrebonne a été occupé par les troupes britanniques et les auxiliaires allemands durant la période de 1776 environ jusqu'à 1782. Alors, cette occupation-là avait pour but de pacifier la population, puisque les Britanniques étaient tellement peu confiants de la loyauté des Canadiens, qu'ils ont étendu dans l'ensemble de la Vallée-du-Saint-Laurent une occupation militaire importante. Et à Terrebonne, il y avait une deuxième raison, c'était de protéger les moulins. Les moulins qui étaient très actifs ont produit de la farine de différentes céréales, et c'est la source, la base de l'alimentation. Alors cette production devait être protégée, et on voulait s'assurer que l'approvisionnement soit constant et régulier. Alors, cet approvisionnement, donc, se fait aux armées et à la population, surtout dans la région de Montréal. On a parlé de l'exportation durant cette période de guerre importante. Alors, l'un des plus gros clients des marchands qui va devenir seigneur de Terrebonne plus tard, c'est Jacob Jordan. Jacob Jordan, qui va être un des principaux fournisseurs aux armées et qui va
va s'approvisionner tant au moulin de Tarbonne qu'au moulin de la Chine. La SODEC a en main un registre des ventes de blé au moulin de Tarbonne dans cette période-là, et on constate que l'un des plus importants clients est justement Jacob Jordan avec les quantités et les montants qu'il a commandés au moulin. Il faut se rappeler qu'à cette période-là, les moulins sont toujours sous l'administration de la famille de Ramsey, des Lagorne, et c'est le sieur Marquand de la Vallée qui assure l'administration donc, des moulins. Ce sont les marchands locaux et aussi la population de la région qui alimentent en produits, en matière première, donc en céréales, en grains, les moulins de Tarbonne, et ces marchands-là, parmi les plus importants, il y a Jean-Sylvie Book, qui est le grand-père du patriote qui sera exilé en Australie, et Jean Chaumont. Ces deux hommes sont en affaires depuis les années 1760. Alors, autour de ce petit groupe-là, va graviter d'autres marchands. Alors, en 1784, Jacob Jordan va acheter la seigneurie. Il achète la seigneurie et il la connaît très bien, et c'est uniquement pour l'exploitation des moulins. Dès 1788, les moulins de Tarbonne vont produire quelques 50 000 minots de blé par année. Ça va être le deuxième moulin dans l'ensemble de la province. On pourrait juste avoir des poids. Un million? C'est une ancienne mesure de capacité. Ça équivaut à peu près à 40 litres. Alors, l'équivalent de 10. Imaginez-vous vos contenants de la place. Alors, 10 comme ça, en mesure de capacité. Finalement, c'est pas liquide, c'est ça. Alors, un minot, ça représente ça. Mais on va le voir aussi en tonneau. On va voir les contenants, les quarts de la ville, évidemment. Alors, c'est une ancienne mesure de capacité. Qui se traduisait aussi en boisson. Alors, dans les médias, à Tarbonne même, qu'est-ce qui se passe dans cette période? Alors, en 1783, ce contexte-là, j'en parle parce que ça explique la venue des marchands qui passaient à Tarbonne en dehors de Jordan. Alors, le traité 1783, qui va faire la guerre d'indépendance américaine, va modifier les frontières de la Rive du Nord. Le sud de la région des Grands Lacs, une partie de l'ouest, du Midwest, va être cédé soit aux Indiens, soit aux colonies, aux anciennes colonies qui sont devenues les États-Unis. Ce qui fait que les bassins de fourrure vont diminuer. Alors, si on constate, si on observe la situation en 1774, au moment de l'acte de Québec, la province de Québec, c'est cet ensemble, et le grand bassin des Grands Lacs qui fournit des réservoirs importants de fourrure, c'est là que va s'alimenter la compagnie du Nord-Ouest principalement. En 1783, tout ce bassin-là est passé aux États-Unis, ce qui fait que l'approvisionnement est plus au nord. Et on entre dans une période de déclin et de compétition très forte entre la compagnie du Nord-Ouest et la haute compagnie, la compagnie de l'Éducation. Et cette compétition-là très féroce va faire en sorte que la Nord-Ouest va décliner dans ses revenus. Et ça va faire en sorte que les pertes importantes vont amener ce qu'on appelle les barons de la fourrure ou les membres du Beaver Club à se questionner et à de plus en plus réfléchir sur la possibilité d'investir dans l'agriculture parce que, un deuxième contexte, on est dans la période des guerres napoléoniennes, c'est le blocus continental et les exportations de blé et de bois pour l'Angleterre vont prendre de l'importance. Alors, pour faire contrer donc les effets du blocus, l'Angleterre
de droit de ses colonies va diminuer les droits de douane qui étaient exigés. Les colonies devaient exporter, les pays quand même des droits importants. Alors, on va réduire ça pour avoir un approvisionnement plus constant de fourrure, et pas de fourrure, mais de bois et de blé. Si on veut voir l'évolution des exportations de blé par rapport à Québec, on constate que dans la période, il y a une croissance importante, et la plus importante année ou décennie est celle de 1793-1802, où on est passé de 128 000 millions d'exportation à 405 000. Alors, c'est donc une période importante, et c'est dans cette période-là que les barons de fourrure, Mackenzie, pas Mackenzie, McTavish et ses associés vont investir dans la seigneurie de Terrebonne. Alors, c'est donc un impératif additionnel, un incitatif additionnel pour les marchands d'acheter ou d'investir dans les terres. Au mois d'août 1802, les agents de la compagnie vont déjà être à l'œuvre dans la seigneurie, mais la transaction entre Jordan et McTavish va se faire uniquement en décembre 1802. Qu'est-ce qui se passe dans le cours à ce moment-là? Alors donc, au début des années 1760, il y avait une communauté de marchands relativement stable dans le village. Et cette communauté de marchands vivait de la production de pivoulet. Le premier de ces marchands, le plus important, c'est Joseph Chaumont. Alors Joseph Chaumont est devenu marchand vers 1765. Il succédait à son père, Nicolas Auguste Guillaume Chaumont, qui s'était établi dans le cours en 1755 pour faire le commerce des grains. Il va mourir en 1765, ils ont fait reprendre la retraite. Le magasin de Guillaume de Chaumont était sur l'emplacement même de la maison Fraser McKenzie aujourd'hui. Alors, ce magasin était là. Son magasin était quand même un bâtiment important. Vous avez 60 pieds sur 32 avec deux ailes et deux étages. Alors, on parle de magasin et de résidence. Et quand on parle de magasin à cette époque-là, c'est aussi davantage un entrepôt au sens de storage. Quand on parle de storage, alors magasin, c'était davantage un entrepôt qu'un dépit de marchandises. Alors, on pouvait vendre des marchandises, mais on entreposait aussi beaucoup. Donc, c'était beaucoup plus du commerce de gros que le commerce de détail. Alors, on pouvait dépiter des marchandises à la population, mais aussi on accumulait des marchandises pour être... souvent, on avait des succursales ou des marchands associés et on pouvait les alimenter en produits. Alors, le fils Joseph va mettre rapidement, le fils de Joseph, donc Joseph le deuxième, parce qu'il avait le premier, le deuxième en 1796, va mettre un terme aux activités marchandes. Lui va s'installer plutôt avec sa famille à Saint-François-de-Sable et dès 1803, il a liquidé complètement les actifs commerciaux de sa famille. Il n'a pas été obligé du tout à poursuivre, donc ça laisse un fournisseur ou un marchand important en Terrebonne qui devient inactif. Jean-Louis Bouc. Alors Jean-Louis Bouc, aussi, il est arrivé dans les années 1760. Il s'est installé sur la place publique et, à toute fin d'utile, il a occupé complètement la place publique en moins de 5 ans. Il va construire deux maisons de pierre de deux étages qui occupent l'emplacement complet de Terrebonne aujourd'hui, où le stationnement face à l'Église-Boulet. Et il y a même une des maisons de deux étages donc, qui va amener la voûte. Donc, il y avait des caves voûtées pour l'entreposage. Et quand on a fait l'excavation pour la construction des condos, on a trouvé des vestiges de ces voûtes-là qui, évidemment, ont été détruites et pour l'érection de Terrebonne. Il a exploité aussi une potasserie au bout de la rue, où est l'hôtel de ville aujourd'hui, au bout de la rue Saint-Paris. Et à sa mort, en 1796, on constate qu'il a franchi un esclave qu'il avait prénommé Jean. Alors, la mort de Jean-Louis Bouc a été l'occasion de la
convertir à l'islam, on ne sait rien de cet homme, sauf qu'il s'appelait Jacques et qu'il était au service de M. Cook. Alors, les personnes noires, les personnes indiennes, on ne sait pas. La seule information qu'on a, c'est cet homme. Et ça montre que c'était, à la Renaissance, le deuxième esclave qui était à Terrebonne. Son fils, Charles Baptiste, va prendre la relève pendant un certain temps, mais en 1805, il va abandonner les affaires. Il est poursuivi, il est expulsé de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Il est subi un procès et il est emprisonné pour fraude dans le commerce du blé. Alors, cette histoire, on ne connaît pas ça. Alors, il va abandonner. Et quand on parle du magazine de Charles-Baptiste Beau, vous reconnaissez cet édifice sur la rue sur le boulevard des Braves, où aujourd'hui ce sont des professionnels qui occupent l'édifice, qui a été restauré, bien sûr, un peu plus haut qu'à l'origine. Alors, Charles-Baptiste a fait construire ce magasin, entrepôt, et on a une autre vue, c'est l'ancienne rouge. Alors, cet édifice-là s'ajoutait au premier qui date de 1741. Alors, l'édifice en deux parties, aujourd'hui assez imposant. En fait, ce sont deux bâtiments. Et construction en 1795, qui va être vendue en 1805. Un autre marchand important de la génération qui s'efface, Jacob Jordan, qui est seigneur de Terrebonne. Il meurt lui aussi en 1796, à croire qu'il y a une épidémie, parce qu'entre 1794 et 1796, il y a 4-5 marchands qui vont décéder. Et ça laisse la place à une relève qui ne vient pas. Et on va voir que ça explique aussi l'importance qu'on a de la compagnie de McTavish. Alors, son fils va préférer la carrière militaire au commerce. Il va assurer difficilement le succès de son père. Et c'est lui qui vend la seigneurie de Terrebonne à McTavish en 1802. Un autre marchand qui va être plutôt éphémère, c'est William Holden. J'en parle parce que c'est le frère de Jacob Holden qui va prendre de l'importance tout à l'heure. Alors, William Holden était le neveu de Jacob Jordan. Il va vivre en face dans le manoir de la seigneurie avec son oncle jusqu'à son décès en 1796. Alors, il va être 3 ans Terrebonne, le temps d'épouser Angèle Beau, la fille de Jacques-Louis et la sœur de Charles Baptiste. Et il avait 15 ans et il va être veuve à 18 ans. Alors, c'est Jacob Holden, le frère de William, qui va être l'exécuteur testamentaire. Et c'est lui qui va assurer la succession et la continuation des affaires. Alors, une génération qui va remplacer. Le marchand Jacques Dorion s'établit en 1798 sur la Grande Rue. L'emplacement de son magasin et l'emplacement de l'église actuelle. Dans le prolongement de la rue Sainte-Marie. En 1805, il va déménager sur la rue de la Plate et il va faire du commerce de gros, surtout du commerce de grains, et il va louer même un hangar à Joseph Chaumont, qui est situé ici dans l'ancien jardin de Joseph Chaumont. Oui, monsieur. La rue de la Plate, c'est pour faire les bras, excusez-moi. Ça fait trop longtemps que je suis dans le passé. J'ai oublié d'aller des concordances. Alors, Jean Collier, on va acheter cet édifice-là. J'ai changé les photos. Mais c'est toujours le même édifice. Alors, on va acheter cet édifice-là. On va le posséder jusqu'en 1814. À Nîmes, il va le vendre à David Thompson, le cartographe de l'Ouest canadien. Alors, il est associé avec son frère Étienne dans le commerce. Il exploite un magasin à la Ville du Nord. Et là, ce frère Étienne fait concurrence à James Jordan, qui est le fils de Jacob Jordan. Je parle de ces gens-là, parce que tout à l'heure, on va faire l'inventaire de leur magasin. Donc, on va voir ce qu'ils pouvaient vendre comme marchandises. Quand on parle de magasin, aujourd'hui, on sait que c'est des grandes surfaces, c'est le self-service, tout le monde va se servir, et bon, c'est très, très, très fédéré de collectivité, puis ça passe vite. Les magasins, les box, c'est la relation interpersonnelle, on parle aux marchands, on achète, on fait.
on ouvre son compte, on paye son compte une fois par année, si on ne paye pas, on est obligé d'avoir une obligation, un billet de remise-soir, et ainsi de suite. Alors, les relations ne sont pas les mêmes. Puis, ce qu'on vend dans les magasins, c'est d'abord, c'est presque exclusivement des produits importés. Alors, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, James Jordan, qui est le fils de Jacob, lui a installé son magasin à la rivière du Nord, à Saint-Jérôme. Et il fait des affaires à Rome. Mais Dorion est un homme qui va quitter Hyperbole en 1812 pour s'installer à la rivière du Chêne. C'est un homme très colérique et il va être en conflit non seulement avec sa femme qui va le laisser, mais aussi avec des notables de la ville du village. Ils vont même arriver au coup avec le notaire d'Orgeron pour une question de risque de virgule dans un contrat signé. Alors là, ça va se terminer dans les tribunaux. Autre marchand, Jacob Holden, avocat de Montréal, le frère de William, l'exécuteur testamentaire de Jacques Dubois, qui va s'installer à Terrebonne en 1798. Et c'est sur l'actuelle rue Saint-Pierre qu'il va s'initier, sur la rue Saint-Louis qui va devenir rue Saint-Pierre, et il va s'initier au commerce des grains avec son beau-frère Charles Baptiste. Alors, le magasin, actuellement, c'est le terrain vacant aujourd'hui. On a démoli le théâtre et on a démoli la banque. Alors, l'emplacement du magasin de Jacob Holden, c'est celui-ci. Et une photo que j'ai agrandie, là, un détail d'une photo de 1905 de la cour du Collège Saint-Louis. On voit l'édifice qui était sur ce but. Et c'est là qu'il y avait des entrepôts aussi de grains. OK, on voulait amener en arrière de. Où est-ce qui se passe? C'est où c'est le moulin? Oui! OK. Oui, les moulins sont ici. Ici, à l'hôtel du boulevard, puis en arrière, les moulins. Alors, je trouve qu'il est dans le même petit secteur. Alexander Wilson, qui est un des ancêtres de Claude Martel, je vous l'annonce, est un Écossais qui vient d'Aberdeen, qui s'est installé à Québec et qui est venu s'installer à Dortmund en 1794. En 1797, sa femme Sarah Kelly va décéder. C'est grâce à ce décès qu'on a un inventaire de son magasin. Alexander Wilson avait un magasin qui était dans l'accès à peu près, l'accès au stationnement sur le côté ici. Là. Alors le magasin était sur le bord de la ligne de pied avec la maison de magasin. Il épouse Marie-Angélique Musso de Mantet, qui est parente avec Chaumont, et il va partir. Il ne va pas des affaires trop longtemps. Il va quitter en 1804. Alors, il va s'établir un comptoir de marchandises à Saint-Roch avec Benjamin Touin. Mais ses affaires ne sont pas trop bien. Et en 1804, il va quitter Terrebonne pour s'installer, on le retrouve à Coteau du Lac, dans la région de Bicêtre. Il est gardien du canal et il est douanier. Jusque-là, c'est une nomenclature, mais ça va montrer qu'il y avait quand même dans Terrebonne, et on va essayer d'expliquer pourquoi tout à l'heure, une communauté assez importante de marchands qui sont à la fois des négociants, des marchands généraux, et pour la petite population qu'on avait, ça faisait quand même une grosse offre de produits pour la population. Il y avait donc d'autres sources de revenus importantes. François Prévost, lui, vient de l'Assomption. Il s'est établi d'abord sur la côte de Terrebonne en 1784, il achète une maison de pierre. Et cette maison de pierre est encore là aujourd'hui. Il exploite sa terre et son magasin pendant une vingtaine d'années. Et en 1806, il avait aussi une potasserie. Alors, la maison est située sur la côte de Terrebonne. Elle est aujourd'hui en restauration par M. Jean Bonus qui est ici ce soir. Et cette maison-là, ça a servi de magasin. Alors, la cave est quand même relativement profonde et le magasin était fort probablement dans la partie basse de la maison et dans la résidence au-dessus. C'est sur la côte de Terrebonne, près de Plaisance. Fort Plaisance, ça vient juste à droite, tout au nord de la côte.
dans le haut du Nil, la grande nuit, c'est une pierre aujourd'hui. Alors, ces deux emplacements, il y en a un qui est au coin de la maison de briques à côté de la maison Fraser McKenzie, et l'autre est en face, juste à côté, en face de l'ancien état du Nil, du restaurant chinois. Et il va transformer une des maisons, pas chinois, japonais, et il va transformer cette maison-là de pierre en auberge. En 1811, il va être connu pour le fameux spolius dont on va parler, et il va travailler à cette période. En 1813, son fils Hyacinthe aménage un magasin sur la ville Atlante, le boulevard des Braves. Aujourd'hui, c'est la maison qu'on connaît sous le nom de Maison de Lillard. Il mange le nom des étages, ils sont installés professionnels avec un solage de pierre relativement haut. Alors, ce magasin va être en fonction jusqu'en 1820. Alors, c'est de quoi avait l'air l'édifice avant qu'il soit modifié, transformé au début du 20e siècle. Alors, c'était une immense maison québécoise à grande galerie et quatre lucarnes. Alors, on remarque les fondations où étaient les caves et ça servait de magasin et des terres pour servir de résidence. Et au début, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, ça va aussi une auberge importante à côté de l'hôtel du Boulevard, qui est en face. Et le fils avait une tablée sur la rue Saint-Louis. C'est des édifices qui sont disparus en 1988. C'était connu sous le nom de la maison de Tournay. Ça a été démoli et aujourd'hui, il y a deux maisons de pierre, de briques pierre, qui ont été construites sur l'emplacement. Et cette maison-là, il s'est rénovée, c'est une toute petite maison qu'on a vue en dedans, et colorée avec des planches cornières foncées, qui est vraiment toute belle. Alors, c'est cette maison-là. Alors, ici, il y avait, en arrière de la table, il y avait deux maisons juxtaposées. Une servait de magasin et l'autre servait de résidence. Alors, quand on parle des deux magasins de la famille Prévost, ce sont ces deux magasins-là qui fonctionnaient à l'époque. Finalement, avant d'aller vers les grandes compagnies, Thomas Boyus va s'installer en 1794, lui aussi sur la rue Saint-Louis, où est aujourd'hui la maison Joseph Auger, et ce qui est à côté, alors ces deux terrains-là seront ceux de Boyus. Il va devenir l'un des plus importants marchands du bourg, mais non seulement du bourg, mais aussi de la province du Bas-Canada. Il ouvre des succursales en 1800 à Sainte-Thérèse et à Sainte-Rose. Et quand je dis qu'il ouvre des succursales, il construit des maisons de pierre près des églises et il installe des commis qui sont ses employés. Et il leur fournit un inventaire complet pour le débit de marchandises. Ce n'est pas une association de marchands à marchands, comme on verra tout à l'heure, que fera la Mackenzie Holden. Boyus engage des commis qui travaillent dans aujourd'hui par le gérant du Cursal, mais c'est à peu près le modèle qu'il a utilisé. Alors, quand on parle de son magasin, il y en avait deux en fait, on va voir tout à l'heure, cet édifice-là était le deuxième magasin. Entrepôt. Il y en avait un autre ici qui a été démoli pour faire place à la résidence actuelle. Et on voit derrière les écuries, il y avait des écuries pour recevoir 10 chevaux et il y avait aussi remis sur les calèches ici. Alors c'était un marchand très important et ceci était sa résidence. Alors magasin entrepôt, deux fois, écurie, sa résidence. Alors, il va faire fortune dans le commerce du grain. Il va exploiter un chantier sur l'Outaouais avec un associé du nom de William Ouviat à Québec. Et ce marchand-là est un agent d'une firme de Londres. Donc, Thomas Boyus avait des relations directes avec Londres par un intermédiaire à Québec. Il va engager des bûcherons et des gageux pour le flottage du bois qui vient de son chantier, surtout des vieux de pain et de chêne, pour l'être acheminé jusqu'à Québec. Alors, en 1808, il va engager un certain nombre de cageux qui doivent se rendre au chantier de l'Outaouais et qui doivent flotter les cages depuis le
chantier sur la rivière d'Ottawa jusqu'à Québec. Alors, quand on parle de flottage de cage, c'est à peu près ceci. Alors, on regroupait les billes de bois, où souvent le bois était écarté, on les regroupait en petits radeaux pour descendre la rivière des Outaouais, et rendu dans le lac des deux montagnes, on regroupait ces cages-là dans l'immense cage où c'était presque un village. Des cages. Donc, suivait le courant et s'arrangeait pour amener à mon bord les cages à Québec. Alors, vous avez une idée de la dimension des billes de bois. Alors, il y avait des arbres là-dedans. Et là, on parle des années 1880. Alors, on peut s'imaginer ce que ça pouvait être en 1810-1820, où on commençait à réfléchir des zones qui étaient tout à fait vierges. Et quand on parle de charger le bois sur les grands voiliers à Québec, ça donne une idée de toute la manutention qu'on devait faire pour charger les billots qui vont être acheminés vers Québec, et pas vers Québec, mais vers l'Angleterre. Et tout ça, c'est pour la construction navale. On construit des navires pour la flotte britannique, ce qui est très important. L'Angleterre étant une île, sa marine, c'est son seul moyen de communication et de défense. Alors, je vous demande ça pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être, parce que tout à l'heure, on parlait de cages qui se sont ramassées à Terrebonne. Alors, il va construire un kit transbordement pour ses bacs en face de sa maison. Alors, aujourd'hui, quand on regarde en avant le long de la rivière, il y a une partie un peu plus surélevée, je ne parle pas du muret de béton, mais c'était à cet emplacement-là qu'il y avait un débarcadère pour les bacs qui venaient décharger les marchandises. Avec la magasin Holden, le poilus va être assuré à une grosse part alors, du transport fluvial des marchandises. Et on transportait ça dans des bacs dont le maximum de contenance était 300 millions. C'était des bacs à fond blanc. Et elles avaient été équipées de 12 rames, une poulie, un mât, une soucoupe et un aileron. On avait aussi du bret pour. Des brèches ou des trous dans la quille de la barque pour éviter que ça coule. Ça pouvait avoir l'air de ceci comme barque. Alors, un mât, on pouvait placer des tonneaux jusqu'à une vingtaine, 25 tonneaux, des quarts de farine, et des rames d'aviron, et c'est avec ça qu'on remontait et descendait les rapides autour de Terrebonne pour s'en aller vers soit Montréal, soit vers Québec. Des fois, on pouvait faire des transbordements à la hauteur de l'Achetais dans des sous, des bateaux un peu plus importants en tonnage, et ça permettait de se rendre jusqu'à Québec. En 1804, petite anecdote, en 1804, Thomas Paulius porte plainte à Mackenzie Holden, Henry Mackenzie. Parce qu'on a construit un barrage entre l'île Mouton, je pense, et l'île Touraine. Évidemment, il faut oublier ceci, il faut voir que l'eau est un peu plus profonde à l'époque. Ça se passe au mois de mai, donc on est au printemps, la crue des eaux est importante, et les rapides sont un peu plus forts. Alors, le Paulius se plaint de cette construction-là qui accélère les rapides et qui fait en sorte que la navigation est plus difficile et que les bataillons vont lui charger plus cher pour le transport de ses marchandises. Alors, un peu mécanisé pour faire la démonstration par un exemple concret. Alors, le 4 mai, il engage 6 bataillons qui vont chercher une barque au quai de Jordan, donc au bout de la rue Saint-Joseph. Où était la maison familiale de la famille Limoges, Joseph Limoges, dont j'ai parlé, qui avait loti sa mère complètement au Ciclot, au Fernand de Saint-Joseph, vers le Château aujourd'hui. Alors, sa résidence est ici. James Jordan, le fils, a acheté cette maison-là lorsqu'il a vendu la seigneurie. Alors, on va chercher la barque ici et on remonte le courant en faisant le tour de l'île Saint-Jean qu'on appelait l'île Vigée. Et ce tour-là, passe devant chez Poirier-Spixie. Ce tour-là va prendre 2 heures. On
artistes qui vont jusque chez pour les. Alors, je ne sais pas s'il y a un procès, si on, la parole d'Alia a été suffisante, mais toujours est-il que ça a continué. Pardon? Oui. C'est quoi la raison du barrage entre les deux? Ah, c'était pour augmenter le débit, pour faire en sorte que le moulin à fouler et le moulin à carter qui était ici soient plus efficaces. On voulait avoir une meilleure alimentation, un débit un peu plus important. En 1820, Paulus fait un inventaire de ses actifs. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de une maison, deux grands entrepôts. Et ce qui est fascinant, c'est que son entrepôt mesurait, un des entrepôts mesurait 90 pieds de long par 45 de large, deux étages, et il pouvait contenir 45 000 millions de blé sur un total de 60 000 boisseaux de grains empilés dans les tonneaux. C'était le stockage possible dans ceci et dans l'autre qui avait 50 pieds sur 36. En plus de la maison, en plus d'une ferme qui produisait 6 000 de boisseaux, 6 000 de bottes de foin. Alors c'était un homme assez prospère. Et l'essentiel de cette activité, c'était pour le bois dans le jardin et pour le bien de la famille à Carbone. Alors, comment on peut expliquer qu'autant de marchands qui fassent des affaires en Carbone et des affaires lucratives dans un mot qui est influent, oui, mais qui n'est pas si grand que ça, qui est quand même relativement modeste en termes de population. Quand on regarde l'évolution de la population, en 1781, on parle de 365 habitants dans 63 habitations. En 1812, on est rendu à 880 habitants, 820 ou 825. En 1831, 722, une baisse de population. Et en 1842, on est revenu à peu près au niveau de l'année 1812. Alors, donc, 40 ans, 30 ans plus tard, on a un peu. Et c'est la période des premiers exodes vers les États-Unis pour trouver de l'emploi dans les filatures, l'or, l'industrie textile, ainsi les débuts, les premiers déplacements. Et la paroisse a quand même au total seulement 1763 habitants en 1831. Alors, comment 6, 7, 8 marchands généraux peuvent-ils faire des affaires de façon aussi lucrative? C'est parce qu'ils ne sont pas que marchands généraux. Ce sont avant tout des négociants de grains et de farine. Et ce sont des gens qui vont limiter les marchandises aux villageois, aux habitants de la région, aux visiteurs qui viennent au moulin porter leurs grains. Ils vont leur limiter les marchandises presque par accident. Ce qui est important, c'est le commerce du blé et le commerce du bois. Et c'est ce qui fait leur grain. Sans le doute. Alors, les marchandises qui sont débitées dans les magasins, on a l'avantage d'avoir quelques inventaires à fait d'essai, ou inventaires du conjoint, ou du marchand lui-même. Alors, Joseph Chabon, en 1794, on a l'inventaire de son magasin. J'ai parlé de Wilson tout à l'heure. Thomas Porius, c'est son magasin de Sainte-Thérèse. Lorsqu'il ouvre le magasin en 1811, il fait l'inventaire du magasin pour s'assurer de ne pas se faire voler par son commis. Et Jordan, c'est James Jordan, en 1818, son magasin est à ce qu'on a donné Saint-Jérôme, le Rivière du Nord. Et finalement, un des deux magasins, le Hyacinthe-Prévost, se met du bas du village. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'essentiel, ça concerne les textiles, les articles de couture et les vêtements et chaussures. Alors, c'est le plus gros, sauf pour James Jordan, qui, lui, s'est spécialisé dans la quincaillerie. On est en zone de colonisation, on pense davantage à acheter de l'équipement, des outils, à réparer les objets qu'on utilise pour le défrichage de la construction que de se vêtir, ce qu'on peut acheter ailleurs. Alors, la zone de colonisation. Alors, on évite les textiles et les vêtements, les produits d'utilité domestique, des ustensiles et articles de ménage,
savoir acheter des produits fabriqués et savoir fournir des matières premières. Ça explique pourquoi on exporte beaucoup de blé, de farine, de bois, et on importe tous ces produits finis qui étaient d'abord fabriqués dans les manufactures françaises et après la conquête dans les manufactures et les usines anglaises. Finalement, le tabac et la boisson, et du temps de la France, c'était le vin et c'était le rhum, et du temps des Anglais, ça aurait le whisky. Alors, c'est ce qui est limité dans les magasins. Question à tout. Donc, on achète des livres avec. Alors, si ça veut, McTavish Robertson et compagnie, c'est le nom par lequel les contrats sont signés pour l'achat de la seigneurie. Ce n'est pas la Nord West, mais c'est identifié-là. Qui est la société? Alors, les partenaires, c'est Joseph Frobisher, qui est en Allemagne, qui sont tous orientés sur le sens. Alors, Joseph Frobisher, qui va mourir peu de temps après l'achat de la seigneurie. Simon McTavish, qui lui aussi va mourir peu de temps après l'achat de la seigneurie. Et celui qui va survivre le plus longtemps, on y a bien gravé. Ce sont les trois partenaires les plus importants qui achètent la seigneurie d'Alma. Ils sont associés à des partenaires plus secondaires, Duncan McGilvery, qui est le frère de William, et les deux sont parents avec McTavish. George Gregory, John Gregory, William Howell, Alexander McKenzie, l'explorateur, et Roger McKenzie, son cousin, qui sont partenaires qui achètent la seigneurie d'Alma. Ils sont en relation d'affaires avec plusieurs marchands britanniques et un français, boulinière. On remarque que Jacob Jordan, Barnes Warriors, ne sont pas des inconnus pour McTavish et les frères McGillivray. C'est du monde qui vit dans la même communauté, une petite communauté de marchands. À l'époque, il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont des milliers. Ils sont quelques centaines de marchands et ils ont une communauté qui se tient à Québec et à Montréal. Et tous ces gens-là se connaissent. Ces gens-là entretiennent des liens familiaux par mariage et des liens d'affaires. Et des associations se font et se défendent avec moult de procès pour récupérer des sous. C'est vraiment un milieu relativement fermé en termes d'affaires. Je fais comme ça, non? Ça va bien, je vais là. Donc, en décembre 1802, la compagnie achète la seigneurie. Et le coût de l'achat, 25 000 livres de l'époque, c'est une fortune. On commence alors une véritable frénésie d'investissement immobilier, on va voir ça tout à l'heure. On achète des équipements, on engage des artisans pour l'exploitation des moulins. Et ça démarre avant même que la transaction soit complète. D'abord, ce sont trois agents qui vont agir pour les partenaires. Ces trois agents-là, ce sont des gens de terrain, ce sont des marchands, mais aussi des employés. Et c'est ces gens-là qui vont faire des opérations sur le terrain à Carbone. Principalement, Francis Berthé, qui va être au début, qui va être remplacé par Nicolas Bayard et Henry McKenzie. Ces gens-là s'installent à l'hôtel Saint-Gabriel au manoir en face à Lambert. Et c'est là qu'il y a une affaire. Et c'est là qu'ils signent des contrats, rencontrent des gens et ainsi de suite pour mettre en rampe une vaste opération de relancer la seigneurie d'Elbeuf et d'augmenter encore plus la production pour répondre aux besoins du marché. Donc, je l'ai dit, la période 1792-1803, c'est une période où on a triplé les exportations de blé et de farine. Alors, c'est important pour ces gens-là. On va d'abord louer un magasin, le magasin de Pierre Racine, qui est l'ancien magasin de Chaumont, qui est situé où est aujourd'hui la maison, donc je vais magasin. On va acheter et transformer un magasin en magasin, une maison que Pierre Auger avait construit juste ici où est la fontaine en avant de la porte. Alors le magasin de la compagnie va être ici. On va acheter une boulangerie qui va être en opération jusqu'en juin 1803, jusqu'à ce que la grande boulangerie dans l'île des Moulins soit terminée.
Alors pendant quelques 5-6 mois, on va faire la boulangerie dans une boulangerie qui existait déjà. Elle appartenait à Julius Zimmer, qui était un étudiant allemand qui s'est installé à Terrebonne à la fin de la guerre d'indépendance. On va acheter l'île Saint-Jean, qui s'appelle aussi l'île Vigée. Et vous remarquez les dates, là, ça se passe dans les mêmes mois, juin, juillet, août. Alors la boulangerie, c'est aujourd'hui les condos pour toi, Jean-François. Ces tableaux étaient appartenant à des Louis-Vuitton. C'est point d'eau.
frère. Alors, c'est des emplacements qui étaient un peu plus grands, qui ont été scindés, qu'on a vendus. Alors, toutes les transactions, à chaque fois, les acheteurs payaient la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, il n'y a pas de nouvelle. Hein? Les noms et langues du système seigneurial, c'était ça. Le seigneur percevait une taxe sur chaque transaction. Et alors, les gens respectaient ça. On vendait, on payait les taxes au seigneur, puis ça allait de soi. C'était comme ça. Ça, parce que 25 000 livres, c'est, je vois, à peu près 6 000 onces d'or de cette époque-là. C'est quand même beaucoup d'argent. Ah oui, beaucoup d'argent. Alors, l'achat de l'équipement. Francis Bagley va commander à des tonneliers du village 2300 quarts de farine. Alors, ce sont des petits tonneaux et chaque quart va pouvoir, l'ensemble des quarts achetés, vont permettre de contenir 27 600 millions. C'est un peu plus que la moitié de la production du moulin. Il y en avait en stock, on en a besoin d'autres, on achète. Alors, le quart de farine, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit tonneau qui est idéal pour le transport sur la rivière et sur le fleuve. Il contient 12 millions de farine, ce qui est peut-être un quart de moulin. C'est les anciennes mesures. Ce sont les petits tonneaux. Les petits tonneaux. Alors, les quatre tonneliers, Jean-Baptiste Prévost, Primaud, Anon Prévost, Joseph Lemillard, et remarquez la commande. 1000 quarts de farine, il fallait le mérin, il fallait chauffer le bois, il fallait le former, les sachets de fer, de fond. Alors, c'est un travail tout émanuel. Et c'est une très très grosse commande. La livraison est échelonnée sur l'année. Alors ça va obliger Prévost à engager des compagnons, des apprentis et à agrandir sa tonnellerie. Ce qui m'amène à vous parler de sa tonnellerie. Alors Jean-Baptiste Prévost avait une tonnellerie tout à côté de l'église. J'ai touché de réduire l'image. Et ici on a l'église, l'ancienne église de Terrebonne. Et sur le coin de la place publique, aujourd'hui c'est la place de l'Hydro-Québec qui est là, quand on est près du parc, là, dans une ville. Alors, la tonnerie était là, et elle va être agrandie en 1802 par un édifice en bois, et agrandie à nouveau en 1809 par un édifice de pierre. Et on remarque qu'il y a trois cheminées doubles. La première section, les deux premières cheminées, c'est l'édifice original, et l'allonge qui a été faite, qui est ici, entre les deux cheminées ici, ça fait 17 pieds de longueur. Même largeur que l'édifice. Alors, c'est un édifice important qui va survivre jusqu'aux années 1880 et qui va être démoli pour faire plus de place pour le collège. On engage du personnel. Dès le départ, on engage un dénommé Patrick Beacon qui va s'installer sur la rue Saint-François, qui va être le chef manufacturier de farine, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va engager deux meuniers, mais ce sont des charpentiers menuisiers. Charles Fortin, Noël Lucien, de leur métier, sont charpentiers menuisiers. On les engage comme meuniers. Ils font des travaux de menuiserie, mais ils supervisent, ils surveillent pour qu'il n'y ait pas de blé ou de farine qui soit volé, déplacé, et ainsi de suite. Alors, c'est beaucoup plus des gardiens des moulins que des meuniers comme tels. Le meunier, ça c'est une édifice qui est acheté par Pigan, c'est aujourd'hui le café de la Banque. Alors c'est là que s'est installé Pigan, une fois engagé. On va engager une tête de meunier du nom de Peter Montgomery, qui va être remplacé plus tard par un dénommé David Manchester, et en 1815 par un dénommé McLennan. Ce sont toujours des Écossais, des Anglais qui sont engagés dans des emplois importants. Deux commis pour le magasin, Donald McMillan et Thomas Gibbs, un boulanger pour faire les biscuits, John Lathrop, et ce John Lathrop va être en fonction presque tout le temps de la compagnie, et il est engagé en décembre 1803, au moment où la boulangerie est terminée, et il va résider dans la boulangerie. Simon McTavish va mourir en juillet 1804. Il n'a pas été propriétaire pendant 2 ans, c'est à peine 1 an et demi. Et dans cette année et demie, on va investir plus de 25 000 livres dans la seigneurie.
en embauchant du personnel, en achetant des libéraux. Alors, c'est quand même un investissement important quand on pense que la Seigneurie est achetée comme elle l'est. Alors, il n'y a pas bénéficié de ces investissements. Sa succession va louer la Seigneurie en novembre 1804 pour une durée de 12 ans. Et le coût de la location est de 1200 livres par année pour la compagnie qui va louer la Seigneurie et surtout les moulins. C'est une nouvelle. Et elle s'engage aussi à rembourser tous les investissements qui sont faits dans l'île ou dans la Seigneurie pendant la durée du bail. Donc, tout ce que la compagnie va investir pour améliorer la Seigneurie va être remboursé par la succession. On va un petit pause de 10 minutes pour vous parler de gérer tout ça. J'en profite pour répondre publiquement à trois questions qui m'ont été posées. Hein. On va d'abord parler de l'île Saint-Jean. Comment se fait-il qu'on ait acheté l'île Saint-Jean? Je ne pourrais pas, comme je l'ai dit, parler des motivations profondes de l'achat de l'île Saint-Jean par la compagnie de McTavish Frobisher, mais toujours est-il que pas longtemps après, on a loué l'île à un cultivateur et il faisait de la culture et de l'élevage sur l'île Saint-Jean. Donc, il y avait un certain intérêt à ce que c'était pour faire de l'agriculture expérimentale, essayer d'autres sortes de types de blé ou de peu importe, je ne sais pas. Pas de documentation là-dessus, malheureusement. Mais l'île Saint-Jean a été, qui s'appelait l'île Vigée, qui a été vendue par les Pauline Vigée à la compagnie. Donc, à l'île Saint-Jean, il y avait une ferme et il y avait de l'agriculture. C'était peut-être pas aussi performant que sur les Lovaches, mais il y en avait à l'île Saint-Jean. Un. Deux. La question de la navigation. Sur la rivière Jésus, des milieux aujourd'hui, on utilisait surtout les bacs à fond pilote, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui pouvaient contenir 25 quarts de farine, donc le transport maximal de tonnage de 300 minots de blé ou de farine. Mais ceci, c'était pour la partie, on pouvait aller jusqu'à Montréal et même Québec avec ça. Mais c'était surtout dans des environs ici qu'on utilisait ça. On pouvait aussi utiliser des goélettes ou des sloops qui remontaient la rivière jusqu'à la hauteur de la ferme Quentin. C'est toujours mentionné comme ça dans les contrats chez Quentin. Les goélettes arrêtaient là et on se rendait jusque-là avec des bacs et on pouvait transporter dans les sloops ou les goélettes. J'oubliais la troisième question. Ah! Est-ce que ces gens-là, ces Écossais, ces Anglais qui s'installent à Terrebonne, qui achètent la Seigneurie et qui font des affaires, parlaient juste anglais? Non, ils parlaient tous français. Aussi, et j'ai des témoins avec moi, même eu des documents du chirurgien Simon Fraser, pas l'explorateur, chirurgien qui s'est installé à Terrebonne, qui a construit au départ la maison McKenzie. Simon Fraser a écrit une lettre à l'évêque de l'époque pour se plaindre, sans faire l'objet d'un discours. Et dans sa plainte, elle est complètement formulée en français et dans un français du temps impeccable. Alors, ces gens-là parlaient français. Simon McKenzie, Simon Fraser, pas Simon Fraser, Simon McTavish a épousé une chamoyée. Et c'était une des grosses familles importante du commerce des fourrures, de l'Afrique du régime français, et qui va continuer avec les Écossais en s'alliant à eux dans le commerce des fourrures. Et Roderick McKenzie épouse aussi un chamoyer, de sorte que Roderick McKenzie et Simon McTavish sont beaux-frères. Alors, et ces gens-là vont autant baptiser dans les églises catholiques leurs enfants que dans les églises protestantes. Aucune différence. Alors, il parlait français et la religion, c'était pas un obstacle. Il n'y avait pas besoin d'accompagnement à l'examen. Ça allait très bien. Oui, madame. Allez-y fort. Oui.
cancer. Alors, il y avait beaucoup de dissensions à l'intérieur. On essayait de sauver la face, des poursuites, ainsi de suite. Il va être fait major de milice et lieutenant-colonel de milice en 1812 et 1814. Il va participer au mouvement de troupes vers Montréal durant la guerre de 1812, mais il va venir à Terrebonne parce que les Américains, au moment où il y a de mobilisation, vont renoncer à envahir par la vallée du Richelieu. Et il va être nommé inspecteur de potasse de Palace pour le gouvernement en 1824. Alors, c'est lui qui inspecte les marchandises. Il va mourir en 1832. Jacob Oldham, on n'a pas d'image ou d'illustration du monsieur médecin qui va donner marchand. C'est le seul Anglais de la gang. Et je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui reliait ou liait ce bonhomme avec Henry Mackenzie et Roderick Mackenzie. Ces gens-là se sont peut-être connus avant, parce qu'il y avait des liens entre son frère et Jacob Jordan. Jacob Jordan, c'est son oncle. Et ces gens-là connaissaient dans l'affaire avec les McLaren chez McKenzie. Alors, c'est peut-être de cette façon-là, mais dans la biographie que j'ai pu lire de Jacob Oldham, il n'y a pas vraiment d'indices qui permettent de dire que c'était un avocat, c'était pas un homme d'affaires. Et il va s'associer à McKenzie rapidement et il va faire des affaires. C'est le neveu donc de Jacob Jordan. Alors, il va devenir avocat en avril 1790 en Angleterre. Il arrive à Québec en 1791 et obtient une autorisation d'exercer son métier d'avocat. Il faut se rappeler que sous le régime français, les avocats étaient interdits. C'est vivement à partir de 1763 que les avocats auront autorisation à exercer et à représenter des clients dans des procès. Sous le régime français, chacun se représentait lui-même. Il va s'établir à Terrebonne en 1798, après la mort de son frère, et il va épouser Madeleine Campion, qui est une francophone, fille d'Étienne Campion et de Madeleine Gauthier. En 1810, il va tenter de créer une école à Terrebonne, mais ça ne fonctionnera pas. On parle des écoles de l'institution royale, on parle de l'opposition du clergé, et il y a eu certainement des mouvements, je n'ai pas trouvé de contrat, rien de ça, mais il y a sûrement eu un mouvement qui a découragé l'autre de façon entreprise. Il va être élu et réélu député d'Effingham, le comté de l'époque, en avril et en juillet 1820, et il va mourir en fonction à Québec en juin 1824, âgé de 56 ans. Alors, si je prends la peine de vous montrer la maison qu'il fait construire en 1805, vous la reconnaissez sans doute. Dans le milieu, elle est connue sous le nom de maison du docteur Macaulay. C'est la maison qui est située entre la rue Sainte-Marie et la rue Saint-André. Ceci est la façade, mais elle n'a pas été construite pour rien au fond du terrain. La volonté d'Oldham, c'était d'en faire une réplique du magasin qui était construit ici juste en face. Où est la fontaine? Alors, dès que le devis de construction spécifie très bien que Joseph Auger, qui est le frère du constructeur du magasin, fasse une maison à l'identique du magasin. Alors, quand on regarde cet édifice-là, ça c'est une photo plus ancienne de 1927, cette photo-ci nous montre l'arrière de la maison qui donne sur deux étages. Et la petite ruelle, aujourd'hui on l'appelle la rue du Bassin, qui était plus longtemps la rue Arthur, c'était le lien de communication à l'arrière où était le magasin d'Oldham. Et où a été le bureau de poste par la suite de son fils. Alors, le haut et l'avant, c'était la résidence. Et la partie basse en arrière, c'est la partie magasin, c'est comme une demi-maison, parce qu'il est temps à coller une bouteille. Alors, c'est la seule photo qui nous permet de voir, là, à une époque assez ancienne, l'arrière de la maison. Je me suis encore sorti. Parfait. Roderick Mackenzie, son frère aîné. Il est né en Écosse en 1761, donc il a 20 ans plus vieux que Henry, et va mourir à Terrebonne en 1844. Il arrive au Canada en 1783, s'en va directement dans l'Ouest, et en 1788, il va épouser une Indienne à la manière du pays. De cette Indienne, il a au moins deux enfants. La première, c'est celle qui est connue sous le nom de Nancy Matuski-McKee.
Si sa fille va naître à Forge-Théoyenne en Alberta en 1790, elle va mourir à Fort Vancouver en 1851. Et nous avons ici ce soir Mme Gerstin, qui est une des descendantes de cette lignée-là de Matuski. Plaisir de l'accueillir. Et c'est la sœur de John George Mackenzie qui va venir ici à Terrebonne, l'extrême de poste, jusqu'en 1870. Son frère, John Mackenzie, lui, ne restera pas aussi dans Métis. Il ne restera pas dans l'Ouest, il va suivre son père ici. Il va venir à Terrebonne de 1794 à 1871. Il est le gendre de Jacob Oldham. Alors, il va épouser la fille de Jacob Oldham en 1820, sa fille Catherine. Il est officier de milice et maître de poste de 1823 à 1871. Excusez-moi, 1877 tout à l'heure. Mais il est dans mes notes. Alors, Roderick Mackenzie, donc, en 1803, il épouse Rachel Chaboyer à Terrebonne. C'est la fille de Charles Jean-Baptiste Chaboyer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une des filles héritières des grands marchands de fourrures français, la dernière lignée importante de marchands de fourrures français. Par cette alliance, les mariages, ce sont toujours des mariages contrats à consonance économique. Dans le monde dans ça, tant mieux si ça vient. C'est davantage des alliances de famille pour conjuguer des fortunes, faire des affaires et augmenter le patrimoine. Or, l'alliance fait de lui le beau-frère de Simon McTavish, qui a épousé Marie-Marguerite Chaboyer, qui était la sœur aînée de Rachel. Or, Roderick est actionnaire de diverses compagnies de trafiquants de fourrures liées à la Nord-Ouest, mais ce ne sera jamais un homme d'avant-plan. Il va plutôt être parmi les actionnaires secondaires. Et il va être lié à la Nord-Ouest de 1785 à 1825. Il va commencer sa carrière comme commis dans les forts de traite en Saskatchewan et en Alberta. Il va prendre une demi-retraite en 1813. Il est qualifié par ses biographes intellectuels. Il a remis sur pied une bibliothèque dans un poste de traite dans l'Ouest. Et il a publié quelques textes sous des pseudonymes dans les journaux. Il va accéder au Conseil législatif du Bas-Canada en 1816 et il va défendre avec ardeur la prochaine union des deux Canadas en 1822, ce qui va lui amener les foudres de la population de Terrebonne, ce qui va s'alimenter jusqu'à la rébellion de 1827. Puis je vous invite à lire le magnifique livre de Charles Lagrange sur le sujet, où il présente ce côté un peu moins rose de la ligne des magazines. Il va se retirer de la vie publique en 1830. Alors, cette maison qu'on appelle Fraser Mackenzie, elle est située ici sur la rue Saint-Louis. Et il y a des propriétaires de la maison qui sont ici ce soir. Cette maison-là, elle est sur l'emplacement du magasin Joseph Chaumont. Simon Fraser, chirurgien militaire qui s'installe à Terrebonne en 1792, va acheter l'emplacement. Et va vouloir transformer le magasin en résidence un peu plus cossue. Il va y avoir beaucoup de difficultés parce que l'aventure va durer pendant presque 4 ans. Il va entreprendre la construction, vendre la maison à demi construite à Mackenzie, décider de jeter l'ancien magasin à terre et de partir de rien. On va remonter la maison avec les anciennes pierres du magasin et on va faire une toute nouvelle. Et la construction va se terminer. En 1809, par des détails, mais c'est en 1808 que la construction est terminée et ça a donné cette résidence qui était tout à fait particulière et unique dans la région. Oui, c'est un style de. C'est à la fois un style néoclassique et Regency, avec un toit plat, légèrement incurvé, et c'était très à la mode chez les anglophones. Qui avait vécu en Asie. Alors, il y a une inspiration de pagode chinoise un peu dans la toiture, mais cette toiture est disparue. Il y a eu un incendie important dans les années 50 et on a reconstruit un toit là à un moment donné. Et on a un moment donné, la rénovation a fait en sorte qu'on a le toit actuel. Alors, dans Mackenzie Oldham, donc ces trois bonhommes-là, et principalement Henry Mackenzie et Jacob Oldham vont faire des affaires pendant 12 ans. Et des affaires extrêmement importantes. Ce que McTavish a entrepris va être mis du
multiplié par 2 et 3 par ces deux bonhommes-là qui sont dans l'affaire. En 1807, les affaires vont bien. Ils vont construire un nouveau moulin qui va être adjacent à l'ancien moulin adjacent au Codé. À l'ancien moulin de Lepage, qui a été plus ou moins rafistolé, réparé avec le temps. Le moulin a 4 étages d'hauteur. Il est équipé de 5 moulanges, donc 5 paires de meules de 4 pieds, 48 pouces et 4 pouces, 52 pouces. Alors, ce sont d'immenses meules qui sont actionnées par des doigts hauts. Et dans l'ancien moulin de Lepage, il y avait aussi 5 moulanges. Ça veut dire que la production de farine était faite, si vous avez une petite idée, là, vous avez déjà visité des moulins à farine, vous avez visité Saint-Eustache notamment. Alors, imaginez-vous qu'il y a 10 paires de meules qui fonctionnent comme ça assez régulièrement dans l'île. Et quand on parle d'un édifice de 5 étages, de 4 étages, et un autre de 3 étages adjacents dans l'île, à l'entrée de l'île, les moulins qui sont là actuellement sont petits. Ce sont des édifices très importants. En 1807, ils vont construire aussi une longue remise de 60 pieds sur 20 qu'on va partager en deux, une hauteur de 10 pieds, et ça va servir à l'entreposage de différents outils, de différentes machines pour le fonctionnement des moulins. Mais en janvier 1811, il y a un incendie majeur qui va détruire complètement les deux moulins. Alors, les 10 moulanges, les deux études de pierre sont incendiés complètement, et on va faire un rapport chez le notaire. Et voici ce qu'on donne comme résultat de l'incendie. La notaire a hâte de terminer. Vous allez constater qu'à 3 reprises, il va effacer le mot « enfin » parce que ce n'était pas terminé. Pour enfin pouvoir l'écrire sans le raturer, il devait taper dans le temps d'énumération, je ne sais pas trop, il présumait que ce n'était pas terminé. On dit les deux moulins seront alors incendiés, n'ayant plus ou moins chloré d'existant, pardon, que les murs grandement endommagés et même hors d'état d'aucun service, et que ces moulins composés de deux contigus, l'un à l'autre, comprenant chacun 5 moulages en bon état, dont un étroit de 4 étages et l'autre de 3, étaient des édifices distingués, et que tout leur contenu totalement consommé, pardon, sans avoir pu en sauver le moindre parti. Et enfin, que cet incendie n'a été, suivant leur connaissance, qu'un accident sans pouvoir pénétrer l'origine. Incendie majeur, il s'en est fallu de peu que tout le bas du village passe au feu. Ça s'est repris en 1922. À ce moment-là, les vents ont tourné et le feu a confiné aux deux moulins. Il reste quand même que c'est une grande perte. C'est quand même deux moulins importants, c'est quand même 10 moulanges qui ne sont plus en opération et il faut reconstruire. Alors, quand on se souvient de la toile de Harriet et qu'on regarde les moulins, on a un œil différent sur les édifices et c'est là qu'on peut constater qu'à du moins Harriet a été précis dans la description, dans sa description picturale de l'île. Vous avez ici le grand moulin qui a été construit en 1807. Et juste à côté, un peu plus bas, avec un toit un peu plus pentu, le moulin de Lepage, la boulangerie, et entre les deux différents édifices, donc probablement la longue remise là, qui est alignée avec la boulangerie. Et tout ça construit en 1807, peint en 1810, disparaît en 1811. C'est le seul témoignage qu'on a des moulins de l'île de l'époque de Mackenzie Holden. Je sens que mon ami André est très intéressé. 1811-1812, on reconstruit les moulins. On reconstruit le moulin à farine, on reconstruit le pont. Et ici, il y a des documents qui disent que le pont était couvert. Parce que l'architecte Alcutine a du sang dans le bois. Quand il fait la description des équipements, il dit que le pont a été couvert en 1812, à la manière de ce qu'il était auparavant. Je n'ai pas trouvé trace de mention de pont couvert dans le document de 1812. Alors, si
qui a découvert, il a peut-être découvert après, mais pas avant 1812. On fait la réfection du manoir et on fait des travaux importants, à la, non pas à la structure, mais à la charpenterie. On a fait une partie du toit, on a fait beaucoup de boiseries. On va réaménager les digues, on va construire des murs de soutènement pour les écluses et on va faire la réfection du monnaie assis, tout ça dans ces deux années. C'est un investissement total de 16 000 livres. Alors, on est vraiment dans une période de prospérité et il n'est pas question de rester sans infrastructure de production. Il faut reconstruire au plus vite, il faut reprendre des exportations. En 1812, on va mettre en œuvre un moulin à scier la pierre et c'est un marché. Et en 1812, la même année, la compagnie et un marchand d'Assomption vont acheter une terre du lac Ouarau. Dans la Seigneurie de Saint-Sulpice, avec un bail pour l'utilisation du moulin à scie. Et on va faire des affaires aussi au lac Ouarau pour du bois de construction et du bois d'exportation. Alors, quand je parlais de la description des moulins, on remarque dans cette description de 1816, au moment de la mise en vente de la Seigneurie dans une annonce dans la Gazette de Montréal et dans le Montreal Herald, on annonce que c'est un édifice de pierre de 182 pieds de long sur 52 pieds de large, de 3 étages, ça c'est celui qui a été reconstruit, divisé par deux murs en trois parties distinctes. Au centre, c'est des moulins couverts de tôle avec quatre barres. C'est la fin des guerres napoléoniennes. L'Angleterre commence à resserrer ses droits de douane, ses corners sur le blé. Les exportations sont moins importantes. On a réduit la capacité de production. Alors, si on prend le moulin neuf aujourd'hui et on regarde les dimensions, juste pour avoir une idée de ce que c'était à l'entrée de l'île, le moulin neuf mesure 96 pieds de long. Ça veut dire qu'à l'entrée de l'île, on avait un édifice qui mesurait presque deux fois. Presque deux fois ça. Oui. Oui. Parce que le dernier était construit. Construit en 1850. En 1850. Par rapport au neuf, par rapport aux anciens paramètres qui étaient par après. Ça va? Ça va? En 96 pieds de long. Presque deux fois comme ça. Deux fois comme ça. Et c'est 41 pieds. Et c'est 41 pieds de large. Quand on regarde la façade de la boulangerie, c'est exactement la largeur du moulin qui est à l'entrée. Alors quand on le regardait en rentrant dans l'île, Parce que l'important, c'est que la partie ouest,
parce que le pays boulanger, on va engager, on va engager, on va aller dans les conférences publiques, ces gens-là devront s'exemplir de boire et de faire du grabuge dans les boulangeries, dans la boulangerie, à d'autres fonctions, dans la boulangerie, dans les boulangeries, ou à d'autres fonctions. Alors, il y a déjà une certaine moitié des employés et commencés à vendre tout ça bien. Parce qu'à l'île, on a reçu des gros cages de bois, comme on l'a reçu à l'heure,
passer dans les îles et ainsi de suite, il fallait vraiment réduire les gages. Pas à la Scola, c'est pas à la Chapelle, c'est ça? Pas à la Chapelle, à la Laval, Cartierville. Cartierville, c'est côté de Montréal, la Bonaventure, c'est côté de Laval. C'était le chemin qui venait à Saint-Martin. C'est ça? Je pense pas. Et encore. En 1809, on a une seigneurie, pour rien. L'exploitation du bois, ça appartient au seigneur. Alors, c'est toutes les terres non concédées. La réserve de bois est au seigneur. Alors, le mécanisme en profite. En 1809, ils ont acheté l'abattage de bois et le transport de 8000 billots de 12 pieds de long, 15 pouces au plus petit bout. Ça donne une idée des dimensions du bois. Apprendre sur les terres non concédées au nord de la seigneurie. Ça veut dire du char voyage parce que la vie à Mascouche n'est pas tellement facile à naviguer jusqu'à la chemin. Alors, il y a du char voyage qui se fait probablement sur terre. Ça ne doit pas être facile. Alors, le contrat, c'est pour l'abattage et le transport, et on n'achète pas le bois, on en est propriétaire. En décembre 1809, on va encore acheter un abattage pour 1000 pieds de 12 pieds, 16 pouces. 16 pouces au plus petit pot. Ça donne une idée des planches qu'on pouvait faire. En 1812, on fait le sillage de la Vierge, j'en ai parlé tout à l'heure, on s'approvisionne chez Antoine Labelle, à Saint-François, et 4 ans plus tard, on va acheter 60 pierres pour faire des tombes d'une tête de mort. Je ne suis pas spécialiste des cimetières, mais vous avez une idée de ce que c'est que des têtes de mort qu'on pouvait faire avec une scie à pierre de des décorations. Je n'ai pas trouvé. Finalement, entre 1805 et 1816, la compagnie va établir des comptoirs de débit de marchandises dans la région. Et ici, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce ne sont pas des magasins qui sont construits ou loués par la compagnie pour vendre des marchandises, donc des tables succursales. Ce sont des comptoirs, on fait des ententes, des prêts de marchandises à des individus qui vendent des marchandises qui leur sont consignées. Et ces gens-là engagent, hypothèquent leur magasin et leur père pour assurer les revenus donc, de la compagnie. Ces ententes-là vont durer d'un à trois ans. Pour la plupart. Et vous avez une idée des différents comptoirs qui ont été établis entre 1805 et 1813. Alors, il y en a Terrebonne, Saint-Roch, un autre Terrebonne, Saint-Anne, Le Bras à Saint-Anne-des-Plaines, Vaudreuil, Saint-Benoît, Saint-François-de-Sarre. Alors, ce sont des comptoirs, des gens achètent des marchandises ou prennent des marchandises au magasin de la compagnie, amènent ça chez eux, délivrent les marchandises, payent ce qu'ils ont, évidemment. Avec un léger projet. En 1816, le bail de la compagnie n'est pas renouvelé. La seigneurie est mise en vente, c'est Roderick McKenzie qui va l'acheter. Et ça va dissoudre par le fait même, de façon informelle, la compagnie McKenzie Holden. Et lorsque Roderick McKenzie achète la seigneurie, déjà c'est en déclin, déjà la production est de beaucoup réduite. Et on est de plus en plus, on stagne au bois, la capacité de produire le scier du bois n'est pas plus grande qu'elle est là. Alors on est en dehors des circuits, il y a comme un déclin qui s'avance. Alors qu'est-ce qui a motivé la décision de ne pas renouveler? Certains biographes disent que c'est des dissensions à l'intérieur de la famille, certains étaient d'accord, pas d'accord pour louer, pas louer, ainsi de suite dans ces années. On voulait la vendre tout de suite, non pas la louer. Bref, il y a eu un procès. Et la succession a gagné le procès. C'est ce qui va arriver avec Roderick McKenzie. Donc, on ne va pas le renouveler, on va préférer les vendre. Et c'est la conjoncture qui va faire en sorte que on ne renouvelle pas. Et on décide de vendre. Si vous regardez les productions, plutôt les exportations de farine, en 1893-1802, on était à 405 000 millions qui étaient exportés. En 1813-1822, 72 000 millions. Alors, la production des moulins, c'est presque la production des moulins de Terrebonne à eux seuls à un moment donné pendant la période. Alors, ça donne une idée de la diminution de capacité d'exportation et du surplus de production qu'on pouvait avoir. On écoule sur le marché local et on a des surplus.
Et on est aussi dans une période de crise agricole. Notre blé est de moins en plus bonne qualité. La rouille s'est emparée du blé. On perd les récoltes. Il y a de plus en plus de difficultés à sauver. Et si on arrive à une exportation de 625 000 à Québec en 1833-42, donc ça c'est une exportation moyenne annuelle, c'est davantage le blé du Haut-Canada qui est exporté vers l'Angleterre et les autres marchés d'Europe que le blé québécois. Alors, Henry Kennedy et Jacob Holden vont demeurer partenaires d'affaires, mais sans être des associés formels. Ils vont signer les contrats personnellement. On constate que les contrats qu'ils signent par la suite sont des contrats signés Henry Kennedy en son nom, ou Jacob Holden en son nom, et non pas au nom de la compagnie. Alors, sous Henry Kennedy, l'activité des moulins va stagner, c'est peut-être à cause de lui, mais à cause de la conjoncture. Mais il y a aussi un certain désintérêt de Henry Kennedy. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1816 et 1832? Roderick Mackenzie achète la seigneurie pour la somme de 28 000 livres. Quand on regarde les investissements qui ont été faits, le coût d'achat par la compagnie McTavish en 1802, les investissements et ainsi de suite, qu'on se contente de vendre la seigneurie pour 28 000 livres 15 ans plus tard, ça donne une idée de la dépréciation, de la perte de valeur de la seigneurie, étant donné que ce sont des usines à produire du blé, et non pas des usines à produire du tissu ou du bois. Alors, c'est une aubaine pour Roderick Mackenzie en termes d'achat, mais c'est pas nécessairement un investissement rentable. Alors, il va s'occuper très peu de la seigneurie. Il va se retirer partiellement de la compagnie en 1813. Il va surveiller quand même de près ses affaires avec ses partenaires de la McTavish qui vient de Bray, qui va faire faillite en 1825. Entre 1815 et 1821, les affaires de la compagnie de la Nord-Ouest sont périclitées et les tensions sont tellement graves entre les deux compagnies que le gouvernement anglais va obliger la fusion de la Hudson-Bay et de la Nord-Ouest en 1821 et ça va être la fin de la Nord-Ouest et la Hudson-Bay existe encore. Il va mettre l'accent sur sa carrière politique. Il va être choisi conseiller législatif, juge de paix, lieutenant-colonel de milice et va mener une vie fortuelle. À tort ou à raison, c'est comme ça. Il va donner des balles qui vont impressionner beaucoup le milieu. Il reçoit à dîner très souvent des notaires de l'Ottawa comme des étrangers. Le notaire François-Yacine Séguin va être invité à plusieurs reprises, invité tellement souvent qu'il est obligé de décliner des invitations tellement il y en a beaucoup. Alors, en 2001, il y avait encore, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, dans la maison, et au rez-de-chaussée, il y avait une salle de bal qui avait été transformée en salon. Alors, c'est dans cette salle que Roderick Mackenzie donnait les balles, auxquelles vont participer, entre autres, en 1812, le fameux cartographe David Thompson, qui vient de s'installer à Terrebonne. Alors, il est invité en novembre 1812 à un bal, et ça va se poursuivre pendant quelques jours à l'extérieur. On va participer à une messe commémorative pour le retour de la milice à Terrebonne parce que la guerre est commencée et qu'ils vont pas aller combattre. Et on va finir par un dîner ou un souper qu'on dirait aujourd'hui avec 16 à 20 personnes dans une auberge du milieu. Alors c'est la fête tout le temps tellement que Thompson va être obligé de s'isoler à un moment donné pour terminer. Il a complété sa carte de l'Ouest canadien, parce qu'il est trop emprunté et il y a le Roger McKenzie qui avait du feu. En 1824, la vente de la seigneurie va être annulée. Elle est annulée par le décision à cause du vent du roi en faveur de Marguerite Chamoyer, qui avait demandé l'annulation de la vente, qui contestait la vente. Et Roger McKenzie va devoir rétrocéder la compagnie à la succession. Elle va être revendue par la succession en 1832 à Joseph Masson. Et entre les deux, c'est Henry Mackenzie qui est agent de la succession pour administrer la seigneurie, mais il s'est grandement désintéressé. En tenant la fin de sa vie, Roger Mackenzie va se consacrer à l'écriture de l'histoire des bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest, et cette écriture va être terminée par Louis-Rodrigue Masson
en 1887, c'est ma mémoire fidèle, je suis là l'histoire de la compagnie des rejoints de la compagnie du Nord-Est. Mackenzie va mourir à Terrebonne en 1844 et laisser toutes ses affaires à son fils John et à l'autre fils Alexander. C'est Alexander qui va hériter de la maison. John Mackenzie est déjà propriétaire de la maison de son beau-père Jacob Holden. En 1816, à la fin du bail, Henry Mackenzie va s'installer à Montréal, faire des affaires à Montréal. Il va signer son dernier acte d'agent de la seigneurie en 1815 en engageant John McLevin comme meunier à boulanger à Terrebonne. Ses affaires vont péricliter. En 1819, il va nommer le notaire Séguin son procureur pour récupérer les sommes dues par ses débiteurs. Ils vont se départir de tous les biens fonciers qu'il a achetés dans le village. Une partie de ces biens fonciers va être cédée, donnée à son neveu John Mackenzie, le fils de Roderick. En mai 1823, avec Jacob Holden, il va s'associer à son beau-frère Norman Bethune et à William Frears, qui va en Angleterre, pour une compagnie de commerce import-export. Mais Frears va abandonner rapidement. Et Holden, qui est à Québec, va mourir en 1824. Alors, dans la même année, la compagnie se dissout, mais Mackenzie va rester en bon lien avec son beau-frère Bethune. Et ils vont s'engager dans la construction d'un bateau dont le tonnage va varier entre 267 et 402. Il faut se rappeler que dans cette époque, il y avait la construction du canal de la Chine. En 1821, on construit le canal de la Chine. En 1824, et c'est dans cette période que Henry Mackenzie et Bethune vont investir dans la construction de bateaux. Et Bethune était déjà propriétaire de ce qu'on appelait des Durham Boats, de longues barques à celui-là, qui faisaient la navigation entre les Grands Lacs et Montréal ou la Chine. Et avec l'ouverture du canal de la Chine, ça va permettre à ces bateaux-là de se rendre directement jusqu'à Montréal, plutôt que de décharger à la Chine, de transporter ça jusqu'au port de Montréal et de recharger sur son bateau. Alors, les gros navires ne se rendaient pas encore à Montréal, donc c'est des navires de tonnage intermédiaire. Alors, les Durham Boats étaient tout à fait corrects pour la navigation. Alors, ici, on voit, ce sont des longues barques à fond plat, avec, ça ressemble aux barques dont j'ai parlé tout à l'heure, alors, un long fond plat, un aviron, un mât, deux voiles, et on pouvait charger les tonneaux. Et ça permet la navigation sur le fleuve jusqu'à la Chine. Non, le Ram, c'est par hasard, ça, ou... Ça n'a pas rapport avec l'autre Ram. C'est le lieu qui était fabriqué. Dans le Haut-Canada. Ce sont des barques qui viennent du Haut-Canada. Alors, comme il est trop souvent à Terrebonne, il va se choisir un agent, il va nommer son neveu John, son procureur, et on constate dans les contrats que c'est à la fois John Mackenzie ou Henry Mackenzie qui signe les contrats. Et vers la fin de sa vie, il va se mettre à relancer la seigneurie, il va refaire le livre Ferrier, il va faire signer des titres nouvelles, c'est-à-dire qu'on va renouveler des titres de concession, et refaire le livre Ferrier, ça veut dire refaire le bornage des terres, vérifier si chacun est à la bonne place, puis paye pour la bonne affaire. Et quand on fait le titre nouvel, on en profite pour augmenter le sens des rentes sur les terrains. De sorte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient cette opération-là, et ça va continuer à attiser le mécontentement qui va nous amener à la rébellion de 37. Alors, cette lettre, pour vous en passer la lecture, cette copie de lettre du notaire Séguin, fait justement référence, qui écrit à Henry Mackenzie, fait justement référence à la refonte du livre Terrier et à la rédaction d'un titre nouvel. Or, c'est écrit en septembre 1824 et l'opération va se terminer en 1829. En 1832, Henry Mackenzie va mourir du choléra à Montréal. En décembre de la même année, Joseph Masson va acheter la seigneurie de Terrebonne à la succession McTavish. Dans son obituaire, le notaire Masson, ou le notaire Séguin, parle ainsi de Henry Mackenzie. Il va dire: « Monsieur Henry Mackenzie mourut hier à Montréal du choléra à l'âge d'environ 52 ans.
Ce monsieur était autrefois des associés du Nord-Ouest et fut longtemps engagé ici dans des affaires mercantiles où il se distingua par son honnêteté et sa franchise. Chargé depuis la gestion de la seigneurie, son affabilité lui valut plus d'une fois des éloges bien mérités. Cette gestion ne l'empêcha pas d'entreprendre il y a quelques années un commerce à Montréal en société avec M. Aude, avec M. Béthune, mais le succès n'en fut pas heureux et le tout se termina par une barre. Quoiqu'il parût supporter difficilement ce revers, il n'est plus que probable de Saint-Sauroise à relever si son activité peu commune avait eu l'occasion de prendre un nouvel essor. Or, la société et donc la population perd en lui un homme vraiment estimable, toujours disposé à rendre service et à voler au secours des malheureux. On ajoute même qu'il contracta la maladie en assistant ceux de ses voisins qui étaient atteints, de sorte qu'il fut victime de son dévouement. C'est écrit en juin 1832, le lendemain de la mort de Henry McKenzie, par le notaire Séguin dans ses notes à Terrebonne. Entre 1816 et 1820, Jacob Holden, lui, va s'occuper de la série du lac Waro. Il va être élu, comme je l'ai dit, député de Haringham et il va s'installer à Québec. C'est là qu'il va s'occuper de la succursale de la compagnie. Il va appuyer le parti des bureaucrates jusqu'en 1823 et cette année-là, il va voter du côté du Parti canadien. Quand il va mourir en 1824, c'est son gendre John McKenzie qui va annoncer la nouvelle en écrivant à William Glantz, un membre de la famille Jordan, « I regret to inform you of the death of Mr. Holden. He died in Quebec at 2 a.m. Friday the 11th, age 56. » Alors, c'est la façon d'annoncer le décès. Alors, ces trois hommes donc, qui ont été de la compagnie ont terminé de façon différente leur carrière, mais le summum de la partie la plus importante va se vivre dans les 12 années où ils vont être utilisés à ces années d'abord. En conclusion, ça n'a pas avancé, les amis. J'étais trop intentionné. Alors, entre 1790 donc, et 1830, les conjonctures internationales, nationales et locales vont favoriser l'économie de Terrebonne. C'est le déclin des fourrures, c'est le déclin continental de Napoléon pour la Grande-Bretagne. Si le désintérêt de Jacob Jordan des affaires de la Seigneurie, c'est l'intérêt de la Compagnie du Nord-Ouest d'investir dans faire des investissements fonciers agricoles. C'est dans le moment où il y a eu l'extinction d'une génération de négociants de marchands à Terrebonne, extinction par le décès et la fonte de relève, surtout chez Bouc et Chouron. C'est le moment de transfert de capitaux des fourrures vers l'agriculture et cette agriculture est orientée vers l'exportation et non pas les marchés locaux. Ça provoque à Terrebonne un boom économique majeur et ce boom va durer de 1795 environ à 1820. Le déclin du blé et des farines, le durcissement des congélances, la crise agricole, la maladie vont entraîner le déclin de ce commerce. Le bois va devenir le produit de substitution pour les exportations, mais ça va être à l'avantage de l'Outaouais et de la Mauricie, Terrebonne est en dehors de ces deux circuits. Donc, dès 1820, un long déclin s'approche de Terrebonne en termes d'économie. Les investissements de la famille Masson vont être un coup d'épée dans l'eau. Seul le moulin neuf va permettre des espoirs éphémères. Ça va être une manufacture de textiles et de draps qui va être opérée pendant 5-6 ans, qui va faire des affaires et jamais de l'amplitude des moulins là, qui vont se développer à Chamonix et plus loin aux États-Unis. Et c'est un peu Matthew Moody, sa machinerie agricole, qui va assurer la survivance du beau jusqu'à la fin des années 1800, début des années 1900. Il y aura ensuite une diversification quelque peu de la production industrielle, mais Terrebonne va rester dans une économie stagnante jusque dans les années 1945. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je n'ai pas. Si vous voulez faire un peu d'exercice, j'aime pas non plus. Thank you.
réaliser ce but-là, et qui est quand même très important. Quand on regarde, si on comparait les moulins de Terrebonne des années 1810 à l'ensemble des moulins qu'il y avait dans la province de Québec, dans le Bas-Canada de l'époque, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, sinon pas du tout, qui pouvaient se comparer à la dimension et à la dimension. Oui, si on compare aux autres, là, les moulins de Terrebonne, c'était quelque chose. Et c'est dommage que Terrebonne s'est développé sur l'activité du blé et n'a pas pu poursuivre sa progression comme d'autres villes ont pu le faire avec la révolution industrielle et le passage à la vapeur et à l'électricité. Est-ce qu'on connaît le loyer que vous avez payé à la compagnie de la succession? 16 000 livres pour reconstruire les moulins, réaménager l'ensemble des infrastructures, c'est parce qu'il y avait des revenus là. On donnait 200 de même, mais c'est de l'argent rouge. Mais tout ça va se terminer assez rapidement. Assez rapidement. On peut dire que la vision de l'État. Terrebonne s'est poursuivi avec les communautés urbaines. Tout à fait. Ça a relâché. À partir de Lepère, c'est un progrès quasi continu. Même à travers la guerre de conquête, la guerre de septembre, Terrebonne, exceptionnellement, pas le temps de servir les fournisseurs aux armées et à tout système de défense des forts français. Le missionnaire de Roy avait établi, il y avait des magasins à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières, Montréal et Sorel, et il va ajouter Terrebonne à cause des moulins. Il va louer les moulins en priorité, il va établir une cinquantaine d'employés ici. Et même l'armée va faire des récoltes pour alimenter les moulins pour pouvoir fournir l'armée et le système de fortification. Alors, c'est pas rien, c'est quand même une production importante. Ça va se poursuivre après. Même si la COP ne s'en occupe pas beaucoup, qu'on loue à différents marchands de Québec, de Montréal, les moulins vont continuer à produire. Jordan va y faire ses affaires. Et la compagnie. Même la vie chez malgré le zéro de nous, faire fortune aussi. Est-ce que c'est correct d'affirmer que cet effort économique pour profiter de ce qu'il y a au sage. Vous parlez de sage ici, vous parlez des sensitaires. Le servage n'existe pas. Oui, non, ça a profité indirectement, mais pas directement. C'est vraiment une économie centrée sur l'exportation. C'est vraiment une économie coloniale de production pour l'exportation. On ne fabrique rien ici qu'on consomme ici. On fabrique exporté pour les marchés européens. Et on importe tout de l'Europe. Ce qu'on a dans les magasins, c'est l'importation à 99%. Comme aujourd'hui, là. Non, mais on fait quand même un petit peu ici. Mais on est quand même une économie d'exportation de produits, de matières premières, de produits solidifiés. On a quand même une économie qui n'est pas centrée sur la transformation. Avantages sur l'extraction. Quand on regarde les grands produits de production au Québec, le fer. Hein? Il y avait la viande, puis il n'y en a plus. Le fer, c'est l'exportation. Quand on regarde dans l'Ouest, le pétrole, la potasse, le blé, ça reste encore une économie fondée sur la production de matières premières et l'exportation. L'aluminium. Ici, on fait la transformation. On achète le bauxite, on la transforme ici. Mais ça reste semi-ouvré. Ce n'est pas des produits finis. On ne fait pas des autos d'aluminium. On fournit l'aluminium pour les autos. Et les compagnies ne seront pas canadiennes. Oui? Les maçons, quand ils ont acheté ça, oui. Ils ont un déclin. Oui. Ils ont dit, est-ce que ça va être une économie parce que quand même, c'est une salaire. Oui. Oui. Donc, il y avait quand même une activité économique. Oui. Maintenant,
depuis plusieurs années de l'abolition du régime seigneurial et de l'indemnisation des seigneurs. Alors, il n'est pas question d'abolir le régime sans indemniser les seigneurs et sans les priver de leurs revenus. Il fallait trouver une autre façon. Alors, quand le régime seigneurial est aboli en 1854, la famille Marton a fait des investissements fonciers importants. Alors, on a construit un nouveau moulin, on a refait un moulin acier, on a construit le bureau seigneurial, on a construit le moulin neuf, on a réaménagé la boulangerie, on a construit le manoir. Le revenu provient des censitaires, des gens qui ont des terres et qui payent chaque année encore, ça se passe payer chez les années 1980, pas ici, dans le Québec, on paye des rentes, à chaque année on paye des rentes aux seigneurs. Alors le revenu seigneurial, c'est d'abord ça. Faut pas perdre de vue que les gens sont propriétaires, mais propriétaires en partie de leur emplacement ou de leur terre. Ça appartient au seigneur d'abord, le fonds. Le fonds, ça tient un foncier. Le fonds de terre appartient au seigneur. Il peut le reprendre à défaut de paiement. Et il exige que quand il y a des transactions, c'est surtout sur l'usufruit de la terre. On n'est pas propriétaire comme tel, là, très formellement. Quand on a envoyé le régime seigneurial, tous ces gens-là seraient devenus propriétaires libres. C'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que moi je veux dire? Excellent. Le 13 avril, à 11h, ici même, dans la magnifique chapelle.